Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène avec moi faire du nettoyage dans la maison, le tout pour garder une maison propre au quotidien. Donc je fais pièce par pièce, je commence donc par la salle à manger qui en ce moment fait salle à manger entrée. Donc je mets un petit coup sur la table et surtout un petit coup de microfibre sur les chaises pour vérifier qu'il n'y ait pas de miettes ou de poils ou de je ne sais quoi. Et je nettoie les surfaces, donc c'est toujours avec le produit Lysol. En ce moment j'adore ce produit. Dans la famille, tout le monde n'aime pas l'odeur, mais en tout cas, je le trouve très efficace. Côté salon, c'est toujours là où il y a un petit peu plus de chantier, parce que forcément, il y a toujours un petit peu plus. Donc, je range les deux, trois petites choses qui traînent et je fais la même chose, je nettoie les différentes surfaces. N'ayant pas beaucoup de surface au niveau du salon, je débarrasse le plateau pour le nettoyer complètement, enlever les miettes et les poussières. Et comme ça, je trie un petit peu ce que j'ai mis dedans pour que ce soit vraiment parfait. Ensuite, une fois que salon, salle à manger, c'est prêt, je m'attaque à la cuisine. Là, je viens en même temps d'aller chercher mon panier de fruits et légumes. Donc, je débarrasse tout ce qui traîne parce que j'ai toujours des choses qui traînent dans cette cuisine. Et comme ça, une fois que c'est fait, je peux m'occuper de ranger tout ce qui est fruits et légumes à leur place. Et bien sûr, une fois que c'est fait, je nettoie les surfaces que j'ai salies quand j'ai découpé les différents fruits et légumes et que j'ai rangé ça. Ensuite, Simon était motivé pour nous faire des cookies maison. C'est quelque chose qu'il fait très régulièrement. Donc souvent, il essaye de faire plusieurs tournées pour que ça fasse le goûter pour la semaine. Mais je dois dire que les enfants sont tellement fans que ça a toujours du mal à tenir une semaine. Un petit peu plus tard, donc Jules et moi nous préparons le repas. Nous allons faire une soupe de pommes de terre carottes et avec des petites pommes de terre à l'eau, avec une petite tranche de jambon, ça sera très bien. Donc, j'utilise l'économe, Jules coupe et puis ça va très vite hein, quand on est à deux. C'est tout de suite plus motivant, plus rigolo. Donc voilà, c'est plutôt cool. Au cas où, si on me demande, la grande n'était pas là, elle est partie au cinéma voir un film où il y a des espèces d'ours possédés. Je ne sais pas trop quoi, je n'ai pas retenu le nom. Mais voilà, elle est au cinéma actuellement.
Et bien sûr, une fois que tout est en train de cuire, eh ben, j'en profite pour nettoyer et ranger. Comme ça, dans ma routine du soir, ça ira beaucoup plus vite. On va dire que le plus dur sera fait. La soupe est prête, donc je prépare tout, je la mets dans des bols et pendant ce temps, Jules a préparé une déco car nous allons tous manger dans le salon en regardant un film, donc il nous a mis des bougies partout pour nous mettre dans l'ambiance. Nous voici le lendemain matin, j'avais encore un petit coup de courage, ce qui n'est pas toujours le cas, donc je me suis dit que j'allais m'attaquer un petit peu au deuxième étage. Donc je débarrasse un petit peu les choses parce que cette pièce-là n'est pas terminée, mais on va dire que la pièce jeu vidéo, on peut l'utiliser. Donc j'essaye de faire que ça reste propre. Donc je fais les poussières, je débarrasse les petites choses qui n'ont rien à y faire pour que même si c'est pas terminé, que les meubles soient pas encore mis ni rien, qu'on se sente bien quand même et qu'on profite de cette pièce. Ensuite, de l'autre côté du canapé, on va dire, je fais la même chose. Je débarrasse les petites choses qui n'ont rien à y faire. Et puis surtout, je vais essayer de ranger un petit peu les jouets que Jules a mis dans la chambre de son père. J'en ai descendu une toute petite partie que j'ai pu mettre dans la chambre d'amis. Mais il n'y a pas énormément de place dans ce placard que j'ai divisé en deux. Donc là, je vais essayer de bien mettre les caisses correctement, déjà de regrouper tous les jouets de Jules au même endroit parce qu'après j'ai remarqué qu'il y en avait un petit peu partout. Donc déjà je vais tout mettre au même endroit et je vais essayer de ranger ça pour que ça prenne le moins de place possible. Alors je vais ranger tout ce qui concerne Jules, pour que ça prenne pas beaucoup de place, mais aussi dans un ordre logique. Par exemple, je vais mettre dans le fond ce qui sera pas très accessible, les choses que Jules, voilà, il joue pas avec, ou alors très 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 rarement. Et puis, vous voyez, les deux caisses de Lego qu'il y a juste devant, ça, je vais essayer de les laisser vraiment accessibles, parce que quand il y a des petits qui viennent à la maison, c'est toujours pratique d'avoir les Lego à descendre. Ça nous a servi il n'y a pas longtemps. Et bien sûr, pour terminer de nettoyer cette partie de la pièce, un bon coup d'aspirateur. C'est vraiment une pièce qu'il faut, faudrait, je devrais faire l'effort à chaque fois de laver la pièce pour vraiment avoir le sol, que ça fasse propre. Mais j'avoue, je n'avais pas le courage de monter le balai serpillière. Donc, je me contente d'un bon coup d'aspirateur pour enlever toutes ces poussières qu'il y a encore un petit peu, hein, même si l'aspirateur a été passé il n'y a pas longtemps. C'est toujours le genre de poussière qui est un petit peu dans l'air et qui met toujours un peu de temps à descendre. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut vraiment que je le fasse régulièrement. Là, j'avais même mis la batterie à fond parce qu'il y avait encore des petits grains de plâtre, je suppose, qui étaient entre les lattes. Donc au moins comme ça m'a vraiment tout pris et c'était vraiment propre. J'ai vu que tout était parti, donc je suis quand même très contente. Thank you.
Et pour terminer, bien sûr, je descends en passant un coup d'aspirateur dans les escaliers, même si là, il faudrait que je les nettoie à fond parce qu'il y a de la poussière un petit peu partout. Et ça serait vraiment nickel. Bon, j'arrête pour le moment et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. À bientôt!